L'histoire a commencé en juin 1980 au lycée de Romba. Trois amis, Luc, Michel et Nicolas, doivent remplacer en urgence un groupe qui s'est décommandé et qui devait jouer à l'occasion d'un concert de quartier organisé par la ville. C'était le début d'une belle et grande aventure. Aujourd'hui, le groupe existe toujours et sort un nouvel album avec toujours cette même passion pour la musique celtique. Nous avons rencontré deux de ses membres fondateurs et suivi une répétition. Ah oui, ce groupe s'appelle Alerion et sera sur la scène de l'espace culturel le samedi 5 mars. Ce qu'on appelle les Alerions, même si notre groupe c'est Alerion sans l'article. Mais les Alerions, ce sont les trois petits oiseaux qui sont sur l'écusson de la Lorraine. Et donc comme on se voulait avoir une identité quand même régionale, en tout cas au début surtout, on a pris ce nom-là, quoi. Parcourant les routes de France et de Navarre depuis 36 ans, Alerion est l'un des groupes folk phares de la région. Il existe encore et toujours aujourd'hui grâce à une belle complicité entre les membres du groupe et surtout grâce à leur statut associatif. On a tous continué à mener notre chemin de formation professionnelle, etc., pour pouvoir exercer un métier qui nous permette d'être notre gagne-pain. Et à aucun moment, on s'est rêvé star de la scène à pouvoir en vivre. On est resté quand même assez humble là-dedans. Et je crois que le fait que ce soit un groupe d'amis, parce que voilà, c'est réellement ça, avec aussi une gestion des prestations et donc de l'engagement dans l'association, une bonne mesure pour pas que ça soit de la contrainte mais que du plaisir, je pense que ce sont ces deux facteurs-là, pas d'argent pour nous et pas de contrainte et que du plaisir qui font qu'on soit encore là au bout de 36 ans. Il m'accompagne partout, je cherche son vrai chant. Il fait des tas de refrains dans la plus belle chanson. Avec sa grande étoile, il fait les gars. Il n'a pas le cœur et il fait du violon. Avec mon harmonica, pour agiter la trocade, avec la trocade. Si le noyau dur est toujours présent au sein des Alerions, d'autres membres sont partis et d'autres sont arrivés, apportant chacun une particularité, une expérience et une exigence supplémentaire et complémentaire. Il y a eu l'étape d'arrivée aussi, pas que de génération, mais nous étions un groupe exclusivement masculin, il y a eu une étape d'arrivée de deux jeunes femmes. Donc maintenant, il y a deux filles dans le groupe, c'est vrai. Et ça se passe. En tout cas, c'est toujours un plus, quoi. C'est vraiment un plus. Et au niveau. Chaque personne qui arrive vient avec aussi son univers musical et sa personnalité, etc. Et c'est vrai que c'est. Depuis que Mélanie est arrivée, maintenant, ça fait. 11 ans. Ouais, j'allais dire 12, tu vois. Et Clément, ça fait un peu moins, ça fait 5. Quelque chose comme ça, hein. Et à chaque fois c'est vraiment un plus, ça relance, ça apporte vraiment une nouvelle dynamique, quoi. Célébrant la sortie de leur troisième album, le concert du samedi 5 mars sera un florilège de 36 années de carrière, musique irlandaise et chant marin au programme, d'une soirée annoncée comme festive et conviviale. Dans les prestations que nous avons de manière ordinaire, elles sont souvent soit ciblées concerts, donc des personnes là qui sont assises confortablement dans un fauteuil. Et là, on est sur une écoute très très fine. Voilà. Et puis, on fait encore souvent danser les gens. Il y a quand même beaucoup de demandes de balles. Et puis, ce qu'on observe, et c'est pour ça que le disque a été fait de cette façon-là aussi, on observe de plus en plus des demandes de prestations où il y a un petit peu des deux, avec une première partie souvent un peu plus concert pour les oreilles et une deuxième partie un peu plus pour les jambes et les oreilles aussi. On
a décidé avec, avec l'organisation de ne pas installer des gradins dans cette salle pour justement mettre des tables et avoir un petit espace quand même pour pouvoir danser. Si, voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont les jambes qui démangent assez vite. Ce qui est intéressant, bien évidemment, au-delà de la musique, c'est le fait que des personnes qui viennent, ben, c'est de la musique festive, c'est de la musique joyeuse, même si de temps en temps, quelques morceaux sur des chants irlandais qui peuvent être un peu plus nostalgiques. Mais voilà, c'est ce côté, enfin, ce côté un peu convivial. Pour faire venir les personnes, on peut leur dire aussi qu'à la pause, on est prêt à partager une bière avec eux, avec plaisir. Et pas que pour vendre nos CD, mais simplement pour pouvoir discuter et puis rencontrer des personnes. Alors, voilà. Le côté... retrouver des personnes qu'on n'aurait peut-être pas vues depuis longtemps. Oui, de retour à Romba, effectivement, il y a peut-être des personnes qui vont nous dire « ça fait 35 ans qu'on ne s'est pas vu ». Retrouvez donc le groupe Alerion sur scène le samedi 5 mars à l'Espace Culturel. Vous voyagerez en Irlande et à l'autre bout de la France, en Bretagne. Un voyage pour les oreilles et les jambes, un voyage à écouter, à voir et à vivre avec passion, un voyage à réserver dès maintenant dans tous les points de vente habituels ou au bureau de l'OMC, place de l'Hôtel de Ville.